Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va cuisiner 4 recettes ensemble. Pourquoi je fais comme ça? C'est pas 8, c'est uniquement 4. Et pas n'importe quelle recette, on va cuisiner des recettes du fabuleux jeu dont tout le monde entend parler, Genshin Impact. On en entend partout parler en ce moment, c'est un jeu très médiatisé que beaucoup de gens adorent, que d'autres gens aiment moins d'ailleurs. Moi je fais partie de la team numéro 1 et à chaque fois je salive devant les recettes qui sont présentes dans ce jeu. J'aimerais bien avoir le talent culinaire de Xiangling. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on va cuisiner en entrée 2 plats, donc la salade copieuse, la fameuse salade copieuse, la brochette de poulet et de champignons, le fabuleux attrape adepte, le plat 5 étoiles hyper cheaté, et en dessert on va cuisiner le tofu aux amandes. Je vais en même temps vous dresser la liste des ingrédients que vous aurez besoin pour chaque recette. Je vous emmène avec moi dans ma cuisine, c'est parti! La chair de crabe. C'est bon, non? Donc, on commence tout de suite avec la première recette, la salade copieuse. Je vais tout d'abord faire bouillir de l'eau dans une casserole et je vais éplucher 3 petites pommes de terre, enfin pommes de terre moyennes. Voilà, je vais les cuire à peu près de 20 à 25 minutes, tout dépend de la taille de vos pommes de terre. Et je vais profiter de cette eau pour faire cuire un œuf. Alors l'idéal serait de le cuire environ de 7 à 8 minutes pour qu'il soit un petit peu fondant à l'intérieur. Je vais ensuite venir le refroidir dans un bol d'eau froide pour qu'il soit plus simple à éplucher. Je retire également mes pommes de terre. Ensuite, je vais prendre une pomme bien rouge si possible pour que ce soit identique à l'image que vous voyez sur l'écran. Je vais couper cette même pomme et on va se servir uniquement de la moitié de cette pomme et je vais la couper encore une fois en 4. Pareil pour les pommes de terre, je vais les couper en morceaux, alors pas trop petits mais pas trop gros non plus, c'est de faire, si vous voulez vraiment être fidèle à la photo, coupez-les environ en 4 si vos pommes de terre sont assez petites. Ensuite je vais prendre ma salade que j'ai préalablement lavée pour la disposer sur l'assiette. Voilà, c'est une des recettes les plus simples des 3 recettes que je vais vous proposer. Après, c'est simplement du dressage. Je vais prendre un assortiment d'herbes à salade et je vais venir saupoudrer avant la dépose de l'œuf, vu qu'on voit sur l'image que l'œuf n'est pas assaisonné. Je coupe mon œuf en 2. Sur l'image, on voit que la deuxième moitié est également coupée encore une fois. Et je viens disposer mon œuf au centre des patates, de la salade et des pommes. Voilà, c'est une recette super simple. Il me semble qu'elle est originaire de mon stade, si je ne me trompe pas. Et honnêtement, si vous aimez la combinaison des pommes avec de la salade, c'est vraiment super bon. On passe tout de suite à la deuxième entrée. On peut aussi considérer que ça peut faire office de plat principal, mais voilà, vu que c'était une seule brochette sur l'image, au cas où j'ai pris 2 champignons, si jamais je me loupe pour le motif de croix que vous allez voir juste après. Je vais commencer par couper mon filet de poulet pour que ça fasse des carrés, donc 2 tranches à peu près carrées. Ensuite, ici, je prends de la sauce. Normalement, c'est de la sauce pour les raviolis japonais, donc les gyoza. Je les utilise aussi dans énormément de cuisine de viande. Je trouve que c'est super bon. Et ça donne cette couleur, du coup, un peu brune qu'on cherche vraiment pour cette viande-là. Surtout que le poulet, vu que c'est une viande très claire, il va très vite se gorger de la sauce et très vite pouvoir se colorer. Ensuite, je vais venir inciser du coup mon chapeau de champignon en 2. Attention à l'image, on voit bien que je n'ai pas cuit le champignon. Je voulais qu'il soit le plus représentatif de l'image. Mais cuisez bien le champignon avant de le consommer. Ce que j'ai fait juste derrière. Ensuite, je vais venir faire cuire mes deux morceaux de poulet et mon champignon à la poêle et je vais tout simplement les piquer sur la brochette après les avoir fait redorer un peu dans la sauce pour que ça paraisse bien doré comme sur l'image. Pareil, c'est une recette très rapide, très simple et franchement c'est super bon. Donc là c'est la première tentative avec le premier champignon que je trouvais pas magnifique parce qu'en fait je l'avais gorgé de la sauce et finalement ça faisait beaucoup trop sombre. Et voici le deuxième résultat avec l'autre champignon. On va pas se mentir, c'est quand même vachement plus joli. Alors là, on s'attaque à certainement la recette la plus délicieuse, mais aussi la plus difficile de toutes à réaliser. Et c'était pas évident de trouver exactement la bonne recette à faire pour ce plat que j'avais vraiment envie de faire depuis un moment. À l'image, on voit qu'il s'agit d'une sorte de soupe en fait avec des crevettes, de la viande. Donc j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur une super vidéo de Gastronogeek qui propose sa recette gastronomique de la trappe adepte qui a l'air par ailleurs totalement délicieuse. Moi, vous verrez, j'ai changé quelques petits ingrédients, j'ai fait un petit peu les choses à ma sauce, on va dire, et ce que j'ai trouvé également en supermarché. Donc vous pouvez très bien vous référer à ma recette ou si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus travaillé, je vous invite à aller consulter la vidéo de Gastronogeek sur les 3 recettes Genshin Impact qu'il a réalisées, que je vous mettrai évidemment en barre d'infos. Après avoir réuni tous mes ingrédients, je vais commencer à couper mon poireau. Je vais ensuite me munir d'un bol de sauce soja où je vais faire tremper maladroitement certes mes poitrines de porc et je vais y rajouter ma fameuse sauce avec le paprika. Alors là du coup je vais avoir d'un côté un bol avec de la sauce soja sucrée parce que je préfère la sucrée que la salée et dans l'autre bol du coup mon paprika en poudre que je vais venir mélanger avec ma sauce à gyoza que je mets dans beaucoup de recettes. C'est vrai qu'avec le recul j'aurais pu mélanger les deux dans un plus gros bol pour venir tremper du coup ma viande, ça aurait été beaucoup plus pratique mais c'est pas ce que j'ai fait à l'écran donc je vais simplement intervertir mes deux poitrines de porc. Ensuite vient le tour des pommes de terre à nouveau que je vais venir éplucher et couper. Je vous conseille de les couper en assez gros morceaux. Je vais ensuite venir couper mes champignons. Généralement, je vais les couper en 2 ou en 4. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, ils vont réduire à la cuisson. Ensuite, j'ai pris 2 gousses d'ail parce que je trouve que ça relève, même 3. Je crois que j'ai pris 3 gousses d'ail que je vais venir couper largement parce que je trouve que l'ail apporte vraiment quelque chose dans les soupes. Vous venez ensuite faire rissoler vos poireaux, vos champignons et vous y ajoutez de la chair de crabe. Après environ, je dirais 10 minutes à feu moyen, vous rajoutez vos poitrines de porc qui ont eu le temps de s'imprégner du jus. Si vous voulez quelque chose de vraiment très goûtu, je vous conseille de faire mariner vos poitrines 1 heure voire 2 heures à l'avance. Voilà, donc je les mets au centre de la poêle et je les fais revenir des deux côtés. Une fois que l'eau du bouillon est bien chaude et que mes premiers ingrédients ont bien pu rissoler dans la poêle au préalable, je viens les ajouter à mon bouillon. J'augmente le feu pour faire bouillir en même temps d'ajouter les pommes de terre. Là, je vais couvrir ma préparation et faire cuire à feu doux ou à feu moyen en fonction de si vous êtes pressé. Le meilleur évidemment ce sera de faire cuire ça à feu doux. J'avoue que moi j'étais pas très patiente donc j'ai dû faire cuire ma préparation pendant 1 heure, 1 heure et demie et ça m'allait très bien. La quantité de soupe que j'ai réalisée était vraiment énorme et je voulais vraiment qu'elle soit le plus représentant possible de l'image sur Genshin Impact donc j'ai pris une autre casserole plus petite et j'y ai ajouté un morceau de porc et un petit peu tous les ingrédients. Donc là j'ai acheté, c'est la première fois que je voyais ça d'ailleurs, des œufs de caille déjà pré-cuits en bocal. J'en ai ajouté à peu près 5. J'y ajoute les crevettes pré-cuites avec leur peau. On pourra les décortiquer ensuite quand on mangera la soupe. Encore des patates. Et là j'ai coupé je crois une poitrine de porc restante en 4 pour les ajouter à la recette. Je ne les ai évidemment pas mangés parce que le porc ça ne se mange pas cru, mais la couleur ressemblait beaucoup plus du coup à la photo. Et j'étais très déçue de voir que je n'avais pas de persil pour ajouter, donc j'ai tout simplement utilisé une technique de pauvre. J'ai pris le restant de salade pour faire un semblant de verre qui peut potentiellement ressembler à du persil. Bon voilà, c'est pas issu d'une cuisine gastronomique, mais c'était quand même bon et je suis quand même contente de moi. Donc voilà pour cette recette. On passe à quelque chose de plus sucré, au dessert, et on va faire le tofu aux amandes. Comme vous voyez à côté, j'avais faim, j'allais bientôt manger, donc j'ai utilisé le reste de poulet et des champignons pour me faire à manger en même temps. Donc pour cela, on va prendre du tofu nature. Le tofu, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les soupes miso et dans des choses salées, mais ça peut aussi se manger en sucré, et c'est même très très bon en sucré. Tout dépend de si vous êtes la team tofu ou pas. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Soit on aime, soit on n'aime pas. Première étape, dans une assiette creuse, je vais venir ajouter du miel et le diluer avec de l'eau. Vous mélangez pour que le miel puisse bien s'incorporer à l'eau. Moi j'avais envie de faire une sauce pas trop épaisse et pas trop mielleuse, c'est pour ça que je l'ai diluée avec de l'eau. Je vous conseille de faire pareil. Et je vais venir arroser tout simplement mon tofu. Alors là, c'est vraiment comme vous souhaitez, soit vous prenez pas la tête et vous prenez un sachet d'amandes en poudre. Moi, comme d'habitude, j'avais envie que ça ressemble à la photo, donc j'ai pris des amandes brunes et je les ai moi-même hachées avec ce petit appareil fantastique. Je vais venir déposer deux petits morceaux d'amandes sur le dessus et saupoudrer le reste de mon dessert avec les amandes. Et malheureusement, je n'avais pas de feuille de menthe, donc je la rajoute juste ici au montage. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas pu tout manger tout simplement parce que la trappe à thème, déjà je l'avais fait quelques jours plus tôt, mais je me suis quand même régalée. La brochette ici n'apparaît pas parce que je l'ai finalement mélangée avec le reste du poulet et d'autres champignons. J'ajoute un petit peu de vinaigrette à ma salade pour qu'elle ait un petit peu plus de goût. Et puis bah bon appétit! J'espère vraiment que cette recette vous aura plu si vous êtes un grand fan de Genshin Impact ou si vous aimez tout simplement cuisiner. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très prochainement sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!